Amadou Toumani Touré, Interventions et discours de 2010 à 2012 est un recueil, un travail de mémoire qui perpétue le président ATT, les soldats de la démocratie. Un livre de 600 pages qui porte sans nul doute l'empreinte indélébile des réalisations du président bâtisseur. Que le livre recueille des interventions et des discours du président replongera les gens, le public qui le lira, dans la mécanique de ce qui a été entrepris sous la présidence ATT et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est un outil qui leur permettra de mesurer le parcours du Mali pendant la période 2002-2012. L'élaboration de ce livre était une volonté chère au président ATT. L'un de ses rêves, c'était de vulgariser son contenu dans les écoles et universités. Une tâche que les anciens collaborateurs se disent disponibles à faire, mais regrettent de ne pas avoir l'éloquence nécessaire du président ATT pour les réaliser. On fera ce qui est en nos modestes pouvoirs, mais on ne remplacera jamais le président dans cet exercice, parce que c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui vit ça en lui, et c'est lui qui voulait expliquer aux jeunes, a posteriori, le pourquoi des choses. Et nous, on sera toujours disponible pour aider à mieux percevoir les enjeux de tout ça, mais c'est ça, c'est cette nostalgie qui demeurera. Et jamais on ne sera aussi éloquent que l'auteur de ces discours, de ces interventions, pour expliquer sa démarche et ses résultats. Figura Edition se dit fière d'avoir contribué à l'élaboration d'un livre aussi historique. La promotrice de l'édition est convaincue que ce livre peut servir d'abreuvoir pour la jeunesse. Le discours qui m'a particulièrement marqué, c'est par rapport à la promotion ATT qui a été baptisée en Côte d'Ivoire. Ce discours est un discours d'avenir qui parle aux jeunes, non seulement pas aux jeunes du Mali, mais aussi aux jeunes d'Afrique, qui les incite au travail, à la discipline. Et je pense que le Mali en a besoin aujourd'hui, des travailleurs et puis d'un peuple discipliné, d'un peuple organisé pour aller vers son progrès. Pour la même occasion, la bibliothèque Amadou Toumani Touré a été inaugurée. Une bibliothèque publique bien fournie en livres de plusieurs domaines comme la religion, la stratégie militaire, l'histoire universelle et des collections de livres d'enfants. C'est une bibliothèque qui est composée d'un millier d'ouvrages. Un millier d'ouvrages qui couvrent tous les domaines de la connaissance. Mais ce qui frappe tout de suite quand on rentre dans cette bibliothèque-là et quand on se met à décortiquer, à fouiller la collection, eh bien, il y a quatre domaines principaux qui se dégagent. D'abord, il y a la religion. Toutes les trois religions monothéistes, je crois que le général était intéressé à savoir ce que c'est. Et cela nous permet de comprendre qu'il était d'accord avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit et que Dieu nous a indiqué. Tous les prophètes sont des prophètes. Tous les prophètes des religions monothéistes sont nos prophètes. Au-delà des livres, la bibliothèque ATT expose quelques effets personnels du président.